Et salut les amis, on se retrouve sur du Cuisine Royale. Pour parler de Cuisine Royale, c'est quoi Cuisine Royale? Eh bien, c'est un jeu Battle Royale. Si vous connaissez pas, bon, vous devez connaître, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant, actuellement sur Xbox, PS4 et PC. PC aussi, ouais, PC, il était en premier sur PC, et après il est arrivé ensuite sur les consoles. Il est arrivé après sur Xbox et après sur PS4. Parce que c'est vrai que PS4, il faut une telle version pour pouvoir accéder au jeu. Parce que PS4 n'autorise pas les versions en dessous de 1. Je crois que c'est une version 1.0. Hein, une version 1.0, ou du moins plus que version 0, 1.0. Mais c'est un truc comme ça, un truc, un système comme ça que PlayStation autorise. Ce qui est pas mal sur Xbox, c'est que vous avez les jeux en avance, comme plein d'autres jeux. Hein, il y a eu plein d'autres jeux qui étaient disponibles avant sur Xbox, et après ils ont été disponibles sur PS4. Donc voilà, pour ce récap, en tout cas, voilà, c'est pour mon avis sur ce petit jeu que j'ai pu tester sur Xbox et PS4, sur Xbox One X et PS4 Pro, voilà. Donc en tout cas, même si c'est normal ou quoi, le jeu reste le jeu lui-même. Voilà. Les points faibles et les points forts, c'est que déjà on va commencer par les points forts. Fort, c'est que le jeu est très agréable, je trouve vraiment très agréable. Ça change de l'ordinaire, hein, ça c'est sûr et certain. Le jeu, c'est Cuisine Royale, donc qui te dit Cuisine Royale, donc le Royal, on sait ce que c'est pour le synonyme Battle Royale, et le cuisine, c'est le fait d'être dans une map avec des accessoires sur ton arme, pas sur ton arme, mais l'aspect du joueur cuisine, quoi, c'est cuisine. Ça, vous avez, admettons, votre sac à main, c'est un sac à dos. C'est un sac à dos, c'est un sac, un vrai sac, quoi, un vrai sac comme une poche Leclerc, mettons, je sais pas, moi je te dis ça comme ça, comme une poche, une vraie poche, quoi. Voilà, c'est cuisine. Les personnages, comme tu peux voir, le mec, il courait par terre. Les personnages peuvent avoir des compétences aussi. Par moment, c'est un peu trop, je trouve que c'est, par moment, c'est un peu abusé. Et par moment, je trouve que c'est un peu abusé, mais c'est vrai que les bons points de ce jeu, c'est que ça change de totalement des autres Battle Royale qu'on connaît. Ça, c'est déjà, ça c'est sûr, ça change vraiment de Battle Royale qu'on connaît. Le point fort, c'est que quand tu vas viser avec ton personnage, tu auras automatiquement la vue à la première personne. Ça, c'est vraiment excellent. Je l'ai demandé, je ne sais pas combien de fois, à Fortnite, mais bon, ils en font que leur tête. Enfin bref, on va pas parler de Fortnite, on va parler de Cuisine Royale, mais c'était juste pour vous dire que voilà, par rapport à ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir viser et paf, de passer automatiquement en vue première personne, et quand tu dévises, paf, tu continues à marcher, tu continues à courir, et tu peux tout simplement courir avec la vue à troisième personne. Les points négatifs, c'est que les pouvoirs, je trouve qu'ils sont vraiment cheatés, hein. Vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup trop puissants. Après, ce qui ne va pas aussi, c'est le système de sprint. Je trouve que le sprint illimité, franchement, ça n'arrivait pas de refus, parce que c'est vraiment très frustrant et très chiant de pouvoir tout le temps appuyer sur ton joystick pour pouvoir recourir, même si tu peux avoir des compétences pour courir plus vite, plus lentement, pour avoir plus de jauge, tout ça. Mais bon, carrément l'enlever, ça aurait pas fait de mal. Franchement, ça aurait été plus agréable pour jouer. Et après, dans l'ensemble, voilà, vraiment pas de gros points négatifs par rapport au jeu, beaucoup de points positifs. Très très bon Battle Royale. Je peux que te le conseiller. Il n'est pas payant, il est gratuit, hein, totalement gratuit. Je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est un jeu gratuit. C'est du free to play. Tu as du contenu, vraiment du contenu. Le contenu est vraiment là sur le jeu, et du contenu, ils ont mis une mise à jour. Le jeu est très très bon. Bon, par contre, voilà, il y a des bugs. Il y a des bugs. J'ai vu beaucoup de bugs, hein, beaucoup de bugs. Je l'ai pas dit dans les points positifs. Positif, mais là c'est un point négatif, hein. C'est qu'il y a beaucoup de bugs, mais ça va être corrigé par la suite. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire sur cette vidéo de Cuisine Royale. Voilà, qui est un jeu vraiment très sympa, franchement très sympa à cuisiner, qui change de l'ordinaire des Battle Royale classiques qu'on connaît. Voilà, et puis voilà, n'hésite pas à commenter, liker tout ça sur cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, n'hésitez pas à aller dans la description. Ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, ciao.